tous et on se retrouve aujourd'hui à Orbec dans le 14. On va aujourd'hui partir à l'essai et à la découverte d'une nouvelle marque sur la chaîne, la marque CKT, au travers du CKT 579. Vous l'avez déjà aperçu sur Instagram, on va partir à sa découverte sur les routes du Pays d'Auge. Je tiens à l'annoncer, cet essai est fait pour les compétiteurs. Allez, c'est parti, place à la découverte et le test. Qui ne connaissent pas, c'est un produit 100% made in Taiwan. Donc recherche et développement sont basés là-bas. C'est une vraie marque à part qui existe depuis maintenant des années. Vous avez déjà dû en entendre parler, ça a été très fortement importé il y a quelques années et ils reviennent depuis peu grâce à un nouvel importateur qui va faire revivre en France la marque CKT un peu partout alors en métropole. On a l'occasion de pouvoir tester un de leurs vélos vraiment taillés. Pure compétition, vous allez voir. Le cadre CKT 579, c'est vraiment un vélo taillé pour la compétition. Et c'est pourtant pas leur vélo le plus ultime, qui n'a pas les freins intégrés tout simplement à l'avant et à l'arrière. Mais pourtant, comme vous pouvez le voir, il a des tubes énormes, ce qui va se traduire sur la route par une très très grosse rigidité, un vélo vraiment prévu pour aller vite, toujours plus vite, mais qui pourrait être très pénalisant, et ça j'en reparlerai à la fin, si vous n'avez clairement pas les jambes pour l'emmener. Alors là, on est dans un terrain qui n'est pas forcément son terrain de prédilection, une petite bosse là, donc faut mettre du watt. CKT, c'est une marque taïwanaise avec leur propre centre de recherche et développement depuis maintenant des années, ce qui se traduit par des cadres très atypiques. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas ça a le mérite d'être très original dans leur forme. Un sloping assez prononcé, des grosses poutres, que ce soit diagonale, horizontale, verticale. Vraiment le vélo respire la compétition, la performance. On a la chance de pouvoir tester ce vélo dans des très bonnes conditions. Déjà, il fait beau, mais le vélo en lui-même est équipé du fameux groupe Shimano Durace, donc en mécanique. Mais personnellement, moi, le Shimano mécanique, j'adore. Et en Durace, c'est vraiment le top. Ça réagit très rapidement. Une impulsion, paf paf, les vitesses montent, les vitesses descendent, c'est vraiment un pur régal à ce niveau là. Donc on va passer rapidement sur l'utilisation du Shimano. On le connaît tous, il n'est plus à démontrer, c'est ce qu'on fait à chaque fois dans chaque vidéo. On va vraiment se concentrer ici sur le comportement de ce cadre et ses spécificités techniques. Le 579 existe en deux versions sur le marché, SSP et normal. Nous sommes en présence de la version normale ici, plus confort, sans la tige de selle intégrée, mais ce vélo n'est pas pour autant un vélo de détente et de balade, bien au contraire. Le 579, petit frère du très ultime 589, c'est avant tout un cadre énorme. Douille de direction, boîtier de pédalier et les tubes sont surdimensionnés. De quoi faire de ce vélo un vrai vélo pure vitesse et compétition,
impossible de le mettre à défaut en termes de rigidité. Ce vélo est fait pour répondre aux moindres attaques et à la moindre relance. Cadre carbone monocoque pour plus de rigidité, il se voit pourtant enrichi d'une fibre moins connue, la Toreca 46 tons, qui va lui permettre sur la route d'amortir et d'atténuer les vibrations. Je vous dirai mon ressenti à ce niveau tout de suite après. En continuant dans le confort, place à une selle Reza. Marque vendue par CKT, des plus confortables, la 6 s'écrase un peu sous notre poids pour garantir un meilleur confort. Ce n'est pas de refus sur une telle machine. D'ailleurs, l'ensemble des périphériques sont de cette marque. Difficile de leur reprocher quelque chose, en aluminium de bonne qualité, à première vue très ressemblant à du FSA et pourtant cela n'en est pas. Le cadre intègre bien sûr la câblerie intégrée, c'est une évidence à nos jours. Ici en transmission du race mécanique, il est aussi compatible DI2. Nous l'avons testé avec ses roues full chrome Racing Quattro montées en 25 mm Michelin Power. Des roues avec une bonne rigidité et une bonne qualité de roulement, et ces Michelin offrant un confort à l'utilisation accrue. Dans ces conditions, que vaut ce cadre et ce vélo? Réponse tout de suite. Comme je le disais tout à l'heure, ce vélo est un vélo de rouleur qui se traduit bien sûr par une forme spécifique. Et cette forme spécifique, eh ben, elle se termine en bas par un énorme boîtier de pédalier. Il est vraiment très gros, roulement intégré pour encore plus de rigidité. Ça se traduit que n'importe quel coup de pédale que vous allez mettre dans ce cadre, le vélo il va pas bouger, mais pas du tout. C'est même très impressionnant que vous ayez peu de force, pas de force, beaucoup de force, bref. Personnellement, je ne suis pas le coureur le plus puissant, mais je n'ai pas du tout réussi à faire plier ce boîtier de pédalier. Donc, on pourrait se dire que ce vélo est alors un vélo très rigide, avec peu de confort, et donc finalement un vélo pas très agréable à rouler avec. Et bien bizarrement, j'ai pu réaliser une longue distance avec, donc plus de 150 km. Très peu de temps après l'avoir eu, donc très peu de temps d'adaptation. Alors oui, ce vélo, clairement, je préfère le dire, m'a mis HS physiquement au niveau des jambes, parce que vraiment, au bout d'un moment, les watts, on en a plus, parce qu'il en faut des watts pour l'emmener ce vélo. Mais au niveau du confort, au niveau de l'assise, au niveau du dos, on est très loin du vélo type bout de bois, où toutes les vibrations de la route vont se répercuter partout dans notre corps. Ici, vraiment, on a un vélo qui va filtrer un maximum de vibrations. Un vélo pour costaud, ça je le disais tout à l'heure, et c'est vraiment mon avis. Il a beau essayer de minimiser l'effet rigidité très dur du boîtier de pédalier par un confort un peu plus important sur le haut du vélo, si vous n'avez pas les watts pour l'emmener, je vous garantis que ce vélo peut vraiment vous plombez, c'est vraiment un vélo fait pour la compétition, pour les courses, avec des springs, des grosses relances. Il faut tout le temps mettre des watts dans le pédalier pour avancer. Et c'est un vélo qui m'a un peu épuisé, je dois le dire. Mais c'est toujours sympa de pouvoir tester ce type de vélo. Attention, si vous achetez ce vélo, vaut mieux le savoir. Il n'est pas le plus adapté pour pouvoir passer des pneus en 25. Il passe vraiment tout juste. Et si vous avez le malheur d'avoir une jante qui est un peu plus confort avec un peu de jeu latéral, et bah il peut vous arriver une déconvenue que le pneu va frotter sur le cadre et va venir soit abîmer votre boyau ou votre pneu. Donc attention aux pneus à 25. Clairement, un vélo comme ça, c'est fait pour aller vite, pour avoir du rendement. Donc le 23, c'est très bien. C'est vrai que le 25 apporte ce petit confort supplémentaire qui permettait au vélo et bien de gagner en confort, mais malheureusement je crois qu'il va falloir rester sur du 23 sur ce type de vélo. CKT grâce à ce 579 aura réussi à mélanger vélo, performance ultra rigide du boîtier de pédalier, ultra rigide du tout bas du vélo finalement, et confort grâce à ce tramage si particulier. Mais attention quand même, ne vous y méprenez pas. Bien que le confort soit un peu présent sur le vélo,
Le vélo est alors très vite inconfortable lorsque l'on est totalement épuisé et cuit, lorsque l'on a mis finalement toutes nos watts dans ce boîtier de pédalier pour emmener le vélo le plus vite possible. Alors pour moi, ce vélo, clairement, je pourrais l'utiliser, mais seulement sur des distances assez courtes, moins de 80 km, à des allures très rythmées. Voilà pourquoi le titre de cette vidéo, avis aux compétiteurs, car ce vélo, il est clairement fait pour vous. J'espère que vous aurez aimé encore cette nouvelle vidéo, cette prise d'initiative de vous faire découvrir des nouvelles marques. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la marque CKT. Et nous, eh bien, on va se dire à très vite pour un nouveau test, un nouveau bike trip. L'été est vraiment presque installé. L'été est presque installé en Normandie. Donc les kilomètres vont s'enchaîner. On va pouvoir aller réaliser des longues sorties. L'étape du Tour approche très vite. On n'a pas encore dévoilé d'ailleurs sur quel vélo on allait l'effectuer. Donc tenez-vous au courant en vous abonnant à la chaîne Normandie Cycling. On est présent aussi sur Instagram, Facebook. Donc je mets tous les liens dans la description. Allez, on se dit à très vite. Moi, ça a été vraiment un plaisir de tester cette marque CKT. On se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.